Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Road to FIFA 15. Comme vous avez pu le voir, le premier épisode, ce fut un échec cuisant. Merci, on peut dire merci Paris qui à l'époque, il y a déjà deux semaines je pense que j'ai fait ce truc, ou même trois, avait perdu, ce qui avait niqué le pari. Donc voilà, entre temps j'avais parié sur Monaco, du coup je me suis un peu refait on va dire. Donc cette fois je vais vous proposer un pari, voilà, le truc de la dernière chance. On va tenter une dernière fois d'atteindre ce FIFA 15. Et donc voilà, ça va être un pari assez risqué. Donc faut pas forcément me suivre entre guillemets, bon. Mais ça va être un pari risqué qui est faisable hein, quand même tout de même. Mais voilà, si on gagne, c'est tout bon. Et si on perd, j'arrêterai la série. Et tant pis, hein, FIFA 15, on l'aura dans le cul. On attendra d'avoir des sous. Donc, je vais commencer directement par mon combiné que je vais vous proposer aujourd'hui. Le combiné donc sera tout simplement à base de Ligue 1 et de Première Ligue. Donc les matchs se jouent demain, alors je vous parle, c'est vendredi. Donc voilà, si vous voulez me suivre, il faut le faire assez rapidement. Mais bon. Faites comme vous voulez, en tout cas moi je vais essayer. Et je vais commencer par Saint-Étienne-Caen, le match de Ligue 1. Et bien sûr je vais parier sur Saint-Étienne qui a une cote de 1,64 à domicile, ce qui est quand même intéressant. Donc je vais déjà placer Saint-Étienne, voilà, 1,64. Bien sûr, je vais rajouter d'autres matchs. Ce n'est pas assez, on en veut toujours plus. Bon, j'avais déjà dit qu'il fallait pas mettre plus de 2 matchs, enfin c'était risqué. Là je vais en mettre 3. Mais voilà, c'est pour que la série aille plus vite. Enfin, soit qu'elle avance rapidement ou soit qu'elle s'arrête définitivement. C'est pour ça. Donc, deuxième match, roulement de tambour. Qu'est-ce que ça va être? Guingamp-Bordeaux. Et voilà, vous avez vu la cote énorme de Bordeaux qui en ce début de championnat est énorme. Guingamp, en plus, qui n'est pas au mieux, qui est dans les derniers du championnat. Avec une cote de 2,90, je ne peux pas ne pas mettre ce match. Et donc rajouter Bordeaux à Saint-Étienne. Donc là, ça commence à faire déjà une belle cote. Et pour augmenter tout ça, on va mettre un pari qui, entre guillemets, devrait être sûr. Je dis entre guillemets parce que voilà, on sait très bien que les paris sportifs, c'est quand même assez aléatoire. Le football en général. Et je vais tout simplement rajouter à ces matchs Liverpool-Aston Villa. Et vous en doutez, pardon. Je vais mettre la cote de 1,26. Liverpool gagnant contre Aston Villa. Voilà, Liverpool qui devrait s'incliner. Non, sinon on va pas gagner s'il s'incline. Qui devrait bien sûr s'imposer chez eux contre Aston Villa. Donc là, on a une cote, je crois, qui doit faire à peu près 5. Un peu plus de 5. Donc on va mettre en triple pari. Voilà, bon, j'ai 16 euros, je vais mettre 6 euros. Même si je perds, j'ai 10 euros quand même. Donc voilà. Pour 6 euros, ça vous fait, bon, allez, 35,96, on va dire 36 euros. Donc 30 euros de gain. Donc ça rattraperait déjà l'erreur du premier Road to FIFA 15. Et ça permettrait d'avancer grandement dans le projet. Donc je vous dis, voilà. À la prochaine. Bonne chance aux parieurs qui me suivent. Ah oui, et n'oubliez pas, vous avez vu peut-être sur la chaîne l'info sur le concours qu'on a organisé avec Noobman et Ogla Design sur Twitter. Le concours sur les pronos Ligue des Champions. Donc là, vous pouvez parier gratuitement, c'est dans la joie et la bonne humeur, comme j'avais dit. Voilà. Donc, à l'heure où je vous parle, on vient d'ouvrir le formulaire. Donc si vous voulez y aller, voir à quelle place vous arriverez en fin de Ligue des Champions, ça peut être intéressant. Et il y aura aussi des lots sûrement à gagner, en tout cas on essaie. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Twitter Prono LDC. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. On espère gagner ce putain de pari. Je vous dis à la prochaine, ciao.